Radan Argeza vous présente le nouveau four H1, plus sûr, plus efficace et 100% respectueux de l'environnement. Nous allons vous montrer une des applications, ainsi que le processus d'allumage et les caractéristiques principales de cette nouvelle génération de fours de forge. Les avantages en termes de rendement, sécurité, efficacité et robustesse les placent parmi les meilleurs fours de leur catégorie, en accord avec la réglementation en vigueur pour les appareils utilisant le gaz comme combustible. L'économie d'énergie est un des principaux aspects dont nous avons tenu compte pour la conception de ces fours. La consommation des fours Argeza a été réduite de 75%, ce qui veut dire qu'ils consomment un quart du combustible utilisé pour les autres fours de ce type. Une seule bouteille de gaz propane de 35 kg permet au four H1 un fonctionnement de 100 heures. Les fours Argeza ont reçu la certification du Laboratoire Général d'Essais et Investigation Technological Center A+. Tous les éléments qui composent nos fours se trouvent à l'intérieur de la structure et sont donc protégés d'éventuels coups qui pourraient abîmer l'une ou l'autre pièce et provoquer une fuite de gaz. L'allumage électronique automatique garantit que l'opérateur n'a pas besoin d'introduire les mains dans la chambre de combustion pour enflammer le gaz. L'isolation de la chambre de combustion est un matériel 100% naturel et 100% recyclable. En effet, la vermiculite compactée n'est pas nocive pour la santé puisqu'elle ne contient ni fibres de verre ni céramique. La double couche de cet isolant de nouvelle génération augmente le pouvoir calorifique du four, dépassant les 1300 degrés à l'intérieur. Alors qu'à l'extérieur, la température oscille entre 30 et 60 degrés. La vanne de sécurité thermocouple ferme le passage du gaz dès que la chambre de combustion se refroidit pour cause d'anomalie, assurant ainsi qu'aucune fuite ne puisse se produire. Une vanne anti-retour de sécurité règle la direction du flux de gaz, évitant que la flamme reflue vers la bonbonne. Le régulateur de pression avec manomètre incorporé permet d'ajuster la pression du gaz de manière très précise. Il n'y a aucune perte de combustible, tout le gaz qui entre dans la chambre de combustion est intégralement brûlé. Ce processus est possible grâce à la nouvelle conception des brûleurs, signée et fabriquée par Argeza. Résistance et durabilité sont les principales caractéristiques du tuyau de gaz en acier inoxydable. En général, les tuyaux de gaz conventionnels ont une date de péremption et doivent être périodiquement remplacés. Les tuyaux en acier que nous utilisons ne périment jamais, résistent aux coups et au contact du feu. Le four est muni d'un support auxiliaire pour soutenir les pièces à travailler. Il peut être ajusté en longueur et en hauteur. Cet élément d'appui est dentelé pour éviter le déplacement latéral des pièces. On peut le changer de place et le situer à n'importe quelle entrée du four suivant la nécessité. Pour chauffer les barres ou les pièces les plus longues dans leur milieu, nous avons prévu une porte arrière démontable. Les dimensions de la chambre de combustion, de 140 mm de large pour 236 de profondeur et 100 de hauteur, permettent la mise à température d'une barre ronde pouvant aller jusqu'à 80 mm. Autre point qui a eu son importance au moment de la conception et par rapport à l'éco-fonctionnalité, c'est le thème des émissions de monoxyde de carbone. D'habitude, cette valeur oscille entre 0 et 2%. Les émissions dégagées par le four H1 sont de 0,002%, totalement inoffensives pour la santé et pour l'environnement.
Pour une mise en marche correcte du four, on vissera d'abord le régulateur à l'adaptateur propre à chaque pays. On le connecte à la bouteille de propane, on ouvre le robinet et on règle la pression sur 0,5 kg. Ensuite, on ouvre la vanne de gaz de quelques degrés et on enfonce le thermocouple. On appuie sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que la flamme prenne. On ouvre complètement la vanne de gaz en maintenant le thermocouple enfoncé pendant 40 secondes, tout en montant la pression du manomètre à 1 kg, qui est la pression recommandée par le fabricant. Suivant la température que l'on veut atteindre, on augmentera ou diminuera la pression de gaz. Quand les 40 secondes sont passées, on peut relâcher le bouton de la vanne thermocouple. Une fois en fonctionnement, on contrôlera la flamme pour lui donner le meilleur rendement. À gauche, on peut voir une flamme incorrecte. Il faut la corriger pour obtenir une combustion efficiente. Pour cela, on va fermer la vanne de gaz au minimum et on va la rouvrir de quelques degrés jusqu'à l'obtention de la flamme désirée. Enfin, on ouvrira complètement la vanne jusqu'à vérifier que la flamme soit bien comme celle de l'image. Pour éteindre le four, on ferme le robinet de l'adaptateur de la bouteille. Quand la flamme est éteinte, on enlève l'adaptateur et on ferme la vanne, afin de libérer toute la pression du circuit de gaz. La meilleure manière d'économiser et de rentabiliser le travail est de replacer du matériel froid dans le four à mesure que l'on en retire le matériel chaud. Les pièces travaillées à chaud sont toujours plus belles et originales, et on en tire donc un meilleur prix sur le marché pour leur design exclusif. Les fours Nargesa H1, H2 et H3 remplacent avantageusement l'ancienne forge. Le travail est beaucoup plus propre, rapide et efficace. Merci de continuer à nous faire confiance.